Hey, salut tout le monde, c'est Gangsta. J'espère que vous allez bien, car moi en tout cas, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve sur GT35 Online pour une nouvelle vidéo de glisse sur ma chaîne YouTube en 1.37. Mais juste avant de commencer cette vidéo, je voulais simplement vous remercier pour les 2300 abonnés que nous avons atteint récemment. Donc, je n'avais pas encore eu la chance de vous remercier pour ce chiffre. Et dans cette vidéo, je le fais. Deuxièmement, je voulais simplement vous inviter à lâcher un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, si elle vous plaît. Et aussi, si vous lâchez un maximum de 50 likes environ. Donc, si vous atteignez les 50 likes, je sais que vous êtes capable. Je vais recommencer à faire une vidéo aux deux jours à partir de cette vidéo. Donc dans cette vidéo les gars, je vais vous montrer un petit glitch qui va tout simplement vous permettre d'avoir les appartements invisibles ainsi qu'être en god mode, en mode lit. Malheureusement avec ce god mode vous n'allez pas pouvoir tuer les joueurs parce que tout simplement vous n'allez pas avoir vos armes, mais ça reste quand même assez stylé. Donc premièrement, ce qu'il faudra faire les gars, c'est tout simplement ouvrir votre menu d'interaction. Donc là comme moi je vais le faire actuellement dans la vidéo. Une fois ça sera fait, tout simplement ce que vous allez faire c'est mettre l'apparition où vous voulez le mettre dans l'appartement que vous voulez faire l'église. Donc moi je vais le mettre dans l'Eclipse Tower parce que bien sûr c'est avec cet appartement que je vais faire l'église. Une fois ça s'est fait, tout simplement ce que vous allez devoir faire les gars, c'est simplement là, vous rendre dans le garage de cet appartement que vous voulez faire l'église pour l'avoir invisible. Une fois que vous allez l'avoir fait, vous allez tout simplement vous rendre dans son garage. Une fois que vous allez dans son garage, vous allez tout simplement prendre une des voitures dans son garage. Une fois ça sera fait, tout simplement ce que vous allez devoir faire, c'est sortir à l'extérieur de ce garage et attendre d'apparaître à l'extérieur. Une fois ça s'est fait, tout simplement, ce que vous allez devoir faire, c'est rentrer dans votre garage avec ce véhicule. Comment je le fais actuellement dans la vidéo. Une fois ça s'est fait, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est faire start en ligne, trouver une nouvelle session. Mais si ça marche pas, c'est tout simplement que le PlayStation Store est disponible alors qu'il est supposé de ne pas être disponible. Donc moi, je vais montrer dans la vidéo que c'était bien écrit que le PSN était indisponible. Une fois ça s'est fait, tout simplement, ce que vous allez faire, les gars, c'est tout simplement attendre que ça vous fasse apparaître en mode libre. Donc moi, je vais vous faire une petite coupure jusqu'en mode libre. Et donc, une fois que vous êtes apparu en mode libre, tout simplement, ce que ça vous fera bien sûr apparaître dans votre appartement. Une fois que vous êtes apparu dans votre appartement, vous allez tout simplement ouvrir votre menu d'interaction ou start option, puis vous allez tout simplement vous suicider. Donc, c'est pour ça que ce glitch ne fonctionne pas dans la mess bank, parce que tout simplement, dans la mess bank, nous ne pouvons pas nous suicider et c'est franchement assez dommage. Une fois que vous allez être apparu, vous allez apparaître dans la session et là, une fois que ça sera fait, vous allez tout simplement vous rendre à l'appartement que vous avez buté. Et là, vous allez apercevoir tout de suite que l'appartement est invisible et que vous n'avez pas vos armes. C'est-à-dire que si vous allez voir un autre joueur, il ne pourra pas vous tuer parce que tout simplement, il vous tirera dessus, mais ça fera comme si vous êtes en mode passif. Donc, tout simplement, les balles ne vous tueront pas. Donc, moi, c'est déjà la fin de cette petite vidéo de glitch. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, les gars. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de pouces bleus, comme j'ai dit au début de la vidéo. Donc, on essaie d'atteindre les 50 likes si on est capable. Je sais que c'est assez facile pour vous. Lâchez un maximum de commentaires aussi. Ça me fera plaisir de tout répondre à vos commentaires et tous les liens. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à vos amis et vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine.